pour ce soir, nous allons avec nous les membres du cabinet évangélique. Et nous parlons du premier Jean-Baptiste. Et c'est un ancien membre de l'Église. Et il est marié en père et en enfant. Et c'est un théologien également. Il est un serviteur de Dieu. Et ce soir, il va nous parler de ce qui est important, c'est le jugement. De la nation, le jugement dernier, le jugement de droit de l'homme, au jugement final. C'est le sujet de ce soir. Et c'est moi qui a rassemblé la femme et l'esprit de Dieu, la femme de soi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et vous pouvez le dire. Amen. Seigneur, gloire, honneur, pour moi, à soi, pour moi. Amen. Peut-être si on va un moment de désirer, mais ça m'a dit, bon Dieu grand monde, c'est le point de qui est qu'a fait tout bagaille. D'accord avec nous? Le frère Scorben, d'abord, pas qu'il est fort, il fait tout ça, il connaît le nouvel numéro qu'il va faire avant, et puis il me demandait, moi, est-ce que vous voulez prêcher dans l'église parole ici à la jeunesse? C'est ça, nous répondons, nous faisons le même cher avec plaisir. Et matin, hein, moi, mon soldat, il me dit, bonnet, pour lui vérifier si à plat, à soya. Je dis, serviteur, mon cher, s'il y a un problème, vous ne parlez pas là, dans l'autre invitation, mais à soi, là, je ne pas là, nous quittons jour de travail pour moi. Et Dieu fait moi pour la gloire de Dieu. Si ça ne va pas déranger, on nous fait un petit campé dans Ecclésiaste 12, verset 7. Et puis, nous avons fait dans l'Apocalypse 20, verset 11. À 15, nous avons l'étude qui est attachée à ce verset ça. Ma prière, car Dieu appellera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. D'abord, nous avons avancé puis voir avec nous dans Apocalypse 20. Et n'a pris verset 11 là, rivé dans verset 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui était en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Parole du Seigneur. Amen. Moi, je vais dire gloire pour la jeunesse que nous avons ici, que le Saint-Esprit touche pour toucher sujet dernier temps ça. Je suis content de comprendre le grand thème qui dit le jugement de Dieu, mais en un grand thème, ça, il y a un paquet de thématiques
Et ça, répond moi-même, c'est le jugement devant le grand trône blanc. Et peut-être c'est sous ça, à Soya, nous prenons dit des mots. Mais juste avant, nous venons de voir un petit bagage sur le livre d'Ecclésiaste. Ce n'est pas facile pour faire un historique pour nous râler sur le livre d'Ecclésiaste. Peut-être tout le temps, bon, moi, madame, c'est tellement de bagages là-dedans, mais nous devons oublier quelques bagages pour nous dire concernant le livre. Ça. Le profil autobiographique de l'auteur indique clairement qu'il s'agit de Salomon. Le bref aborde premièrement les titres de l'auteur correspondent à Salomon, puisqu'il est désigné comme fils de David, roi de Jérusalem. Le livre d'Ecclésiaste est évident et il fut probablement écrit dans les dernières années de sa vie vers 931 avant Jésus-Christ, mais surtout écrit principalement pour mettre en garde les jeunes de son royaume. Ainsi, Salomon, après avoir démontré tout au long du livre la vanité des choses terrestres, termine en dirigeant le peuple vers les commandements divins. Cette conclusion s'accorde avec le message de l'Ancien Testament et comme celui du Nouveau Testament, en présentant premièrement la foi qui coïncide ou bien qui synonyme avec le crainte de Dieu, et deuxièmement, c'est les œuvres qui vont sens. Observe ces commandements qui égale tout avec Éphésiens 2, verset 8-10. Seule la vie de foi qui produit des œuvres et prépare l'homme à affronter un jour le jugement de Dieu. Le premier bagaille, n'a pas regardé avant, donc pas besoin de l'église à la petite note, parce que je sens que ça a pu rester tout seul maintenant ici. Là. Si on nous donne bon sens, nous n'avons pas besoin de nous pour un petit cahier, pour un petit note, pour un note, parce qu'il n'est pas toujours facile pour les évangiles à prêcher, et puis c'est rappelé de la parole, ça peut être fini concernant la vie spirituelle. Donc une fois, nous, c'est le thème qui incite le monde pour demander, c'est le thème qui incite le monde pour nous bailler. Mais frère, ça n'est pas comme ça. Bravo la jeunesse ici. Dieu va juger les actes de chacun. Après le verset, ma partie à soi, c'est Hébreux 9, verset 27. Verset ça, me semble-t-il concerné tout le monde qui a vu sur la planète Terre. Que ces créatures qui ont senti par conseil de l'île, peut-être vêtus, puis vous allez au chaud, mais dépoussé le monde qui a respiré, lui conseiller. Et quand il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ça que tout le monde doit connaître. Qui pour ces chrétiens, qui pour pas chrétiens, même si j'ai des bagages quotidiennes, vous ne pouvez jamais oublier. Ça, vous ne pouvez oublier après la mort, c'est jugement. Même si vous n'êtes pas chrétien, voir si vous êtes chrétien, après la mort, c'est le jugement. Ça, c'est auteur hébreu qui rappelle tout le monde qui a vu sur la terre, ça, mais vous ne pas seulement prendre plaisir, faire projet pour faire l'argent. Rentrer dans toute qualité de bagaille, mais vous devez connaître, après vous mourir, tout bagaille va finir. Est-ce que vous avez compris ça à parler là? Amen. Deuxièmement, dans Ecclésiaste 3, verset 17, lui fait voir que c'est bon Dieu lui-même qui se juge pour nous dire bon, pour nous dire pas bon. Autrement dit, pour le juste et pour le méchant. C'est mon Dieu seulement qui se juge pour juger tout le monde, qui nous méchant, qui nous sont bon monde. Dans Acte 17, verset 31, moi je viens tout
Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et il est important pour souligner, c'est avec la justice. Bon Dieu va juger le monde à travers Jésus-Christ. Pour qui ça peut insister au rôle selon la justice dès le verset ça? Parce que, étant que l'homme citoyen, quand on parle de justice pour nous autres en Haïti, je ne sais pas si pays, c'est pas là qui marche bien. Mais en Haïti, on doit parler de la justice. Le difficile, c'est le qui mérite la justice là, qui joue le ordinairement, messieurs mettent plusieurs critères pour la satisfaction de justice, parfois à Zambio, parfois selon moi économique, selon sa travail pour le jugement. Et il y a les tout, il y a des petits mouns dans la société, et puis estimer un tel pari doit gagner sans ça. Et puis soit de là, par la renverser. Et le monde qui a supposé que le jugement, c'est une perte. Ça, c'est l'homme. C'est le bagage qui est capable dans le monde tout. Mais nous-mêmes, nous connaissons Haïti plus mal dans ce sens-là. Et c'est ça qui fait, dans verset, acte 17, verset 31, lui rappeler nous que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Vous avez la justice là? Nous voulons dire que nous avons dit que nous avons comment nous dit d'accord ça? Bon Dieu va parler de vol. Il va parler de vol à la main. Il faut aller dans le monde grand vedette qui mourit. Au fond, ça a songé pour dire que nous avons un vol à main. Et laisse ça décrire, c'est la main divine. Laisse ça faire du bon au reste. Je vais regarder match là. Et puis, monsieur Frié, mais il fait vol à main. J'ai envie de camper par rapport à Jean-Louis Sévène, mais nous faisons là. C'est le monde qui veut le caméra, mais habite la patrie, c'est ça, même si c'est le monde là. C'est l'homme qui a pour la règle comme ça. Mais bon Dieu va juger avec justice. Le jugement du grand trône blanc. Ouvert-moi avec l'Apocalypse 19, verset 11, son verset moi-même. Et par le bras de qui s'est en Apocalypse 19, verset 11. Ma prière, vous faites pour garder la veine, et ensuite nous allons faire l'interprétation théologique ensemble. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Nous devons faire interprétation en son rapport verset ça. Premièrement, ce verset concerne Christ qui est dans le ciel accompagné de ses saints et de ses anges. Mais l'un des fonds en exégèse théologique pour interpréter verset là. Moi, mon bagage qui monte dans la tête, moi, ma partage dans l'église là, et ça me fait content. Ça te monte dans la tête, moi, dans la télévision, mon petit compte en Corée, qui est le Pyongyang, c'est président Corée. Même si je n'ai pas dormi, je ne vais pas décoller missiles cabalistiques pour me séparer sous place pour la conserve. Faut que le missile l'a lancé devant. Et puis pour le réjouir, comment missile l'a décollé. Mais moi, la réalité monte dans l'esprit, le Pentagone, base l'armée américaine, l'on avion est force à décoller, soit pour attaquer un autre pays, même la mission spéciale, en envoyant une force là, un paquet de gros militaires qui préparent la guerre. Et là, une force là, après le décoller, le président des États-Unis vient en personne pour assurer que Air Force a décollé devant et le Bajita pour attendre un message comment il arrive et ça a fait. Mais à travers verset Apocalypse 19, verset 11, première partie, première verset,
Moi, je dis qu'on s'est le Christ qui a décollé ce ciel-là. Amen, l'église. Moi, je dis Christ qui a décollé ce ciel-là, qui a vu sur la terre après l'enlèvement de l'église. Et puis, pas qu'on ait qui brouille, pas qu'on ait qui est force, mais ça te réjouit. Moi, je dis Jésus a fini accompagner Seigneur. Est-ce que l'église est contente? Autrement dit, Jésus a accompagné l'église là. L'autre catégorie qui a accompagné Jésus dans le voyage, ça, moi, je suis un ange. Même si je suis différent, ce n'est pas tout un ange. Il y a un ange déchu, ça, c'est des démons aujourd'hui, c'est pas eux. Mais c'est ces anges qui ont toujours été soudés avec Jéhovah. Et c'est eux-mêmes qui l'a. Je ne sais pas combien pendant Jésus a décollé ce ciel-là. Qui côté Dieu les pères à pied pour m'assister. Jésus qui a parti à l'église là, qui a plongé l'une sur la terre. Nous avons fait chanter faire la chaîne de la vie avec un temps. Nous pensons que l'église va bien. L'homme va le faire. Est-ce qu'il va dire deuxième voyage parce que l'enlèvement de l'église, son voyage vers le ciel. Mais là, Jésus a retourné pour rentrer dans le règne millénaire sur la terre. Là, tout n'est pas avec l'église là encore. Ça, sur notre voyage. Et c'est ça, premier parti verset à conseiller, Jésus va quitter le ciel là. Moi-même, je dis, Jésus va décoller dans le ciel là, vers la terre. Et la bien l'église avec, la bien bon sang, je ça va faire. Combien de cap là? Moi-même, cap là. Jésus va décoller sur le ciel là, vers la terre. Deuxième bagage d'apprêté dans le verset là, c'est le prélude de la catastrophe qui viendra. Sur la puissance politique mondiale, selon Daniel 2, verset 3. Le Jésus va retourner avec l'église là, il y a qui prend trembler. Rendez-vous tout ça qui est qui prend trembler. Malgré le monde, il a prêché par tout le monde, par tous les moyens. Sous croisière, dans bateau, dans avion, dans quartier. Ouvrez la télévision sur l'évangile. Mais il y a des gens qui puissent focus sur le bagage militaire. Ils puissent focus sur les armes. Ils puissent focus comment pour faire nous crier. Ils puissent focus comment pour mettre de l'eau dans les familles. Et puis, moi, je vois que Jésus prend la vie pour eux. Et Daniel, il est en prévoir ça, où il a pris la même, dans Daniel 2, verset 3. Et troisième bagage, je vais dans le verset 1, en dénombré passage. Dans le Nouveau Testament, lui présente Jésus-Christ comme le juge unique, le juge de l'humanité. Et Christ déclare ça lui-même selon Jean 5, verset 22 à 23. Il dit comme ça, le Père a remis tout jugement au Fils. Nous sentons Jésus a trois grandes attributions. Ça va prendre ça, non? Mais monter dans l'esprit. Dans un premier temps, Jésus-Christ vient comme sauveur. Pour pas même avoir la vie, il va vivre pas pour moi-même gagner la vie, peut-être pour nous-mêmes pour gagner la vie tout, pour nous tous nous gagner la vie. Ça veut dire que Jésus fait. Et actuellement, quand on parle avant là, Jésus-Christ est avocat de l'église là. Vous voyez ce que ça Jésus fait? Chaque fois que péché pour ta mourir, et puis Jésus-Christ n'a pas intervenu. Il n'a pas intervenu pour lui faire pas faire fêter, mais il intervenu avec verset 10. Il n'a jamais dit, il dit papa, fais pas. Même dépassé pour lui tout, ballon titan, peut-être l'un jour qui a venu l'a changé. Regardez-vous qui ça s'est fait comme ça, parce que Jésus n'a pas perdu tout le monde. Et troisième grand attribution, c'est la dame, ça c'est là. Moi, je dis que Jésus prend le vini. Lui pas fini comme sauveur du monde encore. Lui pas fini comme avocat de l'église encore. Mais il a fini comme juge. Non seulement Jésus dit ça lui-même avec mes tabarés, lui dit au papa, remet tout. Pouvoir pour juger l'amène, et puis il a fâché, et Jésus a dit la vérité.
Mais ce n'est pas Jésus seulement dit. Pierre, tout, dans l'acte des apôtres 10, verset 42, lui confirme ça avec Corneille. Lui dit Corneille, c'est Dieu qui établit Jésus-Christ comme juge des vivants et des morts. Jésus-Christ, c'est bon Dieu qui mettait comme juge. Il n'est pas seulement juge pour mon vivant, mais il se juge pour mon mourir. Ça, c'est Pierre qui rappelle qu'on a ça. Mais ce n'est pas Pierre seulement. Paul confirme ça aussi avec mon Athénien que Dieu jugera le monde par Christ ressuscité. Ça va plus assoir devant le grand trône blanc. Moun qui pral siéger sous trône. Et le grand trône blanc lui symbolise la justice de Dieu. Le grand trône blanc lui parallèle à côté qui pas gagner injustice. Qui est-ce qui pral chita sous trône? C'est Jésus pral chita sous trône. Et mon garantie lui pral juger avec équité. Dans Apocalypse 20, verset 11 à 15, moi je vais quelques bagages là-dedans. Premièrement, quand je vais dans tête Apocalypse 20, moi je vois le tribunal là qui va le camper. Là, je dis le tribunal là qui va le camper, il va mettre tout le système tribunal là en place pour le tribunal là fonctionner. Dans Apocalypse 11, 15, là. L'autre bagage, moi je vais dans Apocalypse 11, 15 ans, moi vois la restitution des morts. Quel que soit côté où nous sommes morts, espace là pour remettre mort. La main pour remettre tout le monde qui mourit dans le naufrage. Même si quelqu'un te mange, la main pour le dégager pour vomir et tel. Nous sentons que le chemin rage pour aller vomir en pile de monde parce que les gens sont sauvés avec eux, ils ont tout eu dans la rage. Après, on a de ça passer sous autre Jérémie. Le jour qui est fait, il y a une cérémonie, il y a eu gratte terre, la pluie vient tomber, l'eau la pluie, la vérité a souri, on a cadavre la vie par Ali et on venu commencer à décomposer. Mais c'est pas pour les enterrer, cimetière va remettre mort. C'est pas pour les enterrer, la vie réenterrer. Yo va pas vomir mort yo parce que yo va le faire l'autre enterrement pour moi ça. Mais mort yo côté qui était dit que ben yo va pas vomir yo puis aller en jugement. Yo prend en jugement avec ça yo t'a mené là t'a vu sous la plaine en main yo. Et qui plusieurs bagages qui fait enregistrement ça va parler là. Premier bagage qui fait enregistrement, ça m'a parlé. L'autre parle, d'aller vous parler devant le grand trône blanc, car faut déjà couler à moi. L'église, vous avez dit nous? Oui. De vous parler devant le grand trône blanc, c'est parce que le café a coulé à Akma. Nous, grand monde, nous comprenons ça, vous l'avez dit. L'autre parle devant le grand trône blanc, nous sentons que mon caméra, tant qu'on réveille ça, qu'on projette mon écran. Sous panorama la vie. Nous ne pouvons pas parler de la donne. Parce que, puis devant le texte, nous parlons de verset 15 ans, lui parle de lui, quel que soit le monde, il n'y a pas de joindre qui écrit dans le livre de vie qui a fait la couleur avec Matou. Il a jeté dans le temps de fée. Nous sentons que quelqu'un livre. Hein? Voilà, c'est pas nous qui avons non. L'église de nous. Il y a qui va bien dossier nous là-dedans. C'est pas nous qui non. La vie va passer bon cran, on va passer quelque bagaille. Mais ce ciel-là qui a débarqué
à livre qui est panorama la foule là dedans. Pas que vous parlez Saint-Onal. Même si pas que vous parlez, si ici vous avez fait ma goule pour changer le résultat de la gaille, moi m'envie de l'église là à soi là, en nous pisser dans l'évangile, parce que le rond blanc, ou pas qu'à changer le résultat. Si ici bas, n'est pas à l'argent pour changer le résultat, mais devant le grand trône blanc, pas que ça. Il dit dans ce présent, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Vous savez pas grand-mère crier. Mais je souhaite l'église à pas parmi monde. Ça t'a tué. Je souhaite l'église à pas parmi monde qui pralerait en mouré devant le pot. On va commencer à aller devant la porte d'entrée, l'enfer. Ça va être le temps de feu. C'est pas là où il va nous apprendre Saint-Michel, non. Dès devant la porte là, pour entrer là, on va commencer à aller en mouille. Et le dit en pile, pour pas que pour l'église a pris le message, ça a souhait. Au moment où il s'est dit, quand on n'a pas la valeur de l'évangile de la grâce, quelle que soit son fait de vous prendre conscience, mon Dieu a changé par vous dans le livre là. Il y a écrit l'autre bagaille à attendre si vous prenez conscience. Mais si vous ne prenez pas conscience, malgré la Bible en main, le champ d'espérance en main, malgré toute réunion, c'est sous fait que vous êtes. Vous ne pas chrétien vraiment. Si vous mourrez, vous ne pouvez pas changer. Je regrette ça pour me dire que vous avez coulé à Matou. Et si vous ne pouvez pas mourir, l'église t'a enlevé ou vivant toujours, ou raté l'enlèvement de l'église, ou qu'il y a problème toujours, parce que vous devez avoir un esprit égaré, mensou. Ou pas besoin de prendre conscience, ou raté l'église là, même si vous trouvez pour l'évangile qu'on a comme sérieux. Ou pas besoin de prendre conscience ça. Et c'est bon, Dieu a fait le même, là pour un esprit égaré, sur tout le monde qui raté l'enlèvement de l'église, parce que l'église a obtenu de l'évangile pour grand Messie. Malgré tout message, en réalité, on sait l'église. L'église n'a pas supposé un message d'évangélisation. Pas de doit prêcher l'église encore, non? C'est dans le monde que ça a prêché pour mener le monde dans l'église là. Alors que chaque dimanche matin, message pour l'église. Chaque dimanche soir, message pour l'église. Dans la réunion d'évangélisation, message pour l'église. Dans la cellule, message pour l'église. En d'autres termes, sous parole un jour pour sauver ou son méchant. Dans 2 Timothée 2, verset 15, il dit pour me dire, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Ma petite toute frère de l'église là, efforce-toi pour qu'elle va présenter devant mon Dieu, devant le grand trône blanc comme un homme éprouvé. Ma petite toute la mission de l'église là, efforce-toi pour qu'elle présente devant le grand trône blanc comme une femme éprouvée. Ma vie, la jeunesse, même si on a félicité, nous bien des grands thèmes, Dieu m'apprécie. Efforcez-nous, messieurs, pour nous présenter devant le grand trône blanc comme un ouvrier qui a préougi, comme un homme éprouvé. Et l'homme éprouvé, ça veut dire qu'il s'est moué. Lorsqu'il veut venir devant le trône blanc, mais comment pas chrétien, mais comment venir chrétien devant le trône blanc à faire? Les chrétiens parlent devant le trône, non, ce n'est pas pour le plan ou le fait, mais si nous pour lui prendre, récompense-lui. Pour lui prendre couronne. Et là, il faut recevoir la couronne, non, et puis il a déposé le nom de Jésus pour lui dire, mais je ne pas dire pour une couronne ça, c'est où tu travailles pour lui, moi je mets tout. C'est ça chrétien a pu faire pendant devant le grand trône blanc. Et nous parlons ça parce que chrétien ne peut pas juger, chrétien ne peut pas. Ça veut dire le temps de fait, les chrétiens ne sont pas là dedans, et ce n'est pas notre deal, c'est ensemble, nous garder. Non seulement, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'efforcer-nous pour nous apparaître devant mon Dieu, devant le grand trône blanc, comme nous l'avons éprouvé, mais nous voulons notre bagaille tout.
dans Romains 6, verset 23, il dit car le salaire du péché, c'est la mort. Et il dit ça même, le salaire du péché, on dit ça encore, le salaire du péché, le salaire du péché, c'est la mort. La mort a peut-être des phases là-dedans. L'appel de péché, péché, péché. Message parfait, un pas sous nous, t'as converti, ou t'as dit on l'a dit ça, premier avec l'arrivée à mourir physiquement. T'as son premier aspect dans la mort. Et deuxième bagage qui arrive, ou pral mourir spirituellement. Et l'homme mourir spirituellement, c'est l'homme venir devant le grand trône blanc. Et puis, mettre après un livre là, pour parler de ça, pour prendre un livre là, mettre après un livre là, l'idée fait des pages, l'idée fait des pages. Et puis la chercher fait de Jean-Baptiste. Et puis la femme fait de Jean-Baptiste. Et puis la Bible a où il fait 20 ans ou dormir dehors. Et la Bible a fermé, il n'y a pas de nom en dedans. Ou on sait la gare à faire. La Bible enseigne, quelle que soit la direction pour le blanc, tout genou qui est pour fléchir devant Jésus. C'est un acte pour me sauver d'un genou pour dire salut, mais moi mérite l'enfant. Le temps de faire à vrai, parce que je vais mépriser la parole et pour prendre direction enfant. Nous allons le dire. Il va le dire en plus. Enfin, comment ça va le passer pour chrétiens? Regardez ça, la Bible dit. Dans Matthieu 25, verset 31, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec les anges et sa sera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Le jugement du grand trône blanc, pas bien ou pas bras. D'après avec l'église là, le jugement du grand trône blanc, pas bien ou pas. Et puis là, ici, nous n'avons pas de créole. Là, nous pouvons aller dire pas bras ou pas bras, passer à côté. Le jugement du grand trône blanc, pas bien ou pas bras. Ça veut dire, qui vous voulez, qui vous parle, il faut comparer quand même. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de volonté pour faire mesdames. Non, jour du jugement du grand trône blanc. On va capable, on va bien capaciter ça. Et là, on va le faire comparer. Puisque toute nation est assemblée devant Jésus pour une juger. Et puis moi-même, ouais, l'Église va t'en juger déjà. L'Église juger déjà. Pour le moment, il faut faire qu'il est l'Église à juger. Chaque fois accepter Jésus-Christ, c'est comme si mon jugement qui exécuté sous la vie qui enlevait condamnation là, pour entrer dans la vie qu'on y a. On regarde ça, la parole dit. Jean 3, verset 18, il dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Moun qui croit en Jésus, il a déjà jugé. La paix avec nous l'église là. Nous jugeons déjà. Comment nous dit la parole? Nous jugeons parce qu'on accepte Jésus-Christ déjà. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. La parole dit, mon qui croit dans Jésus, il a déjà jugé. Si il a déjà jugé, il va pas juger devant le grand trône blanc. Puis il va s'entendre faire encore. Et pour notre verset dans Jean 6, verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et ne le ressusciterai. Et je le ressusciterai au dernier jour, quel que soit le monde qui voit Jésus-Christ, qui croit dans lui, il aura la vie éternelle. Et Jésus dit, au dernier jour, dans la résurrection des morts, la précicité, c'est Jésus qui va faire tout bagage ça. M'envie de l'église là, nous bien cadré à soi. Si vraiment tout le monde qui là c'est chrétien. Je ne vais pas droit juger, je ne vais pas faire ça, je vais être limité. Mais même moi, si tout le monde qui là c'est chrétien,
C'est des gens qui croient dans Jésus, nous déjà jugé. Le jugement grand qu'on nous a parlé là, pas pour concerner nous, parce que nous jugeons déjà, parce que nous acceptons Jésus. Dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour nous qui sommes chrétiens. M'envie de nous faire quelque content, ça peut passer. Le jugement du grand trône blanc. Papa doit faire un impact négatif sur nous. Parce que tout le monde qui va passer devant le jugement du grand trône blanc, c'est des gens qui va sentencer puis aller en enfer. Mais chrétiens, l'église, pas de condamnation pour nous. Remets-nous qui croit ça. On ne veut pas camper après nous en l'air du ciel là, merci. Parce que c'est des gens qui déjà sauvés. Tout croit sauvé, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit alléluia. 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 Si nous ne pouvons pas ton âme sauvé, pas de négocier ciel, mais moyen. Si ça va nous sauver, pas de négocier ciel, mais moyen. Nous sommes là. Il est extrêmement important. Bon, nous avons bagage. Pour qu'à sauver nos dieux, on est sauvé demain, nous avons l'église. Pour qu'à prendre son blague. Pour qu'à sauver, pour nous attendre l'église, la sienne de la soirée, sauver, oui. Et puis demain matin, si Jésus nous pas sauver, oui. Moi, fort rappeler, nous qui votons la paix, peu importe, j'en saillé ou pas négocier, sauver. Et il ne faut pas jouer avec ça. Même s'il dit qu'il n'y a pas de condamnation pour le monde dans Jésus-Christ, c'est pour qu'on marche bien dans Jésus-Christ. Jouons la paix au Christ, c'est pour qu'on marche mal. Et derrière, la Bible dit que Dieu va le payer. Commencement. C'est la fin de la payer. Que Dieu bénisse nous. Que Dieu bénisse l'Église. Amen. Pas jamais oublier que. Tout le monde qui va comparaître devant le grand jugement du trône blanc, c'est le monde qui va le sentence qui va aller en fait. Mais nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes l'Église, nous jugeons déjà, et la Bible n'a pas de garantie par aucune condamnation pour le monde qui est en Christ. Il y a souvent Christ qui est là, mais si pas dans la salle là, vie ou pas, fin bon, on a essayé de faire sauver, on a parlé là. Sous la salle de nos salons, pour accepter Jésus, nous sommes en occasion pour passer devant Konya. C'est une position pour éviter l'état des faits à leur plan. Il n'y a pas de monde qui va le sauver la donne. Konya même, si on a un monde qui va faire la paix à Jésus, nous invitons à passer devant. Si on a un monde maintenant devant, il va marcher trop, il va prendre une décision pour le marché faible, il va prendre. Chaque nuit prend, il va tomber. Chaque nuit prend, il va tomber. Ou pas besoin de personne passer devant, venir aider à faire salut. Parce que la parole est douce pour mon qui va aller dans le temps de feu. Que vous te bénissez. Amen. L'église va te bénir. Amen. Et nous demandons merci pour mon message, ça, pour mon délégation. Et nous allons terminer, mais nous allons rappeler avec tout le monde qui ne pas prié. Demain, 6h du matin, nous avons un funérail. Ici, là, nous avons un diapole, 108 et il y a un petit frère qui mourut. Et c'est demain matin, en funérail, nous avons fait une exposition pour moi. Il a fait à 6h du matin, et à 7h, nous avons commencé à chanter. Et le funérail, nous avons demandé avec tout le monde qui est là, on aura donné l'hommage avec un jeune garçon, ça, à 30 ans, qui est devant ses mains, c'est merveilleux. Raphaël, qui est venu, le docteur lui-même, c'est la finira là. Nous encourageons tout le monde à nous rendre hommage ça avec un jeune garçon. Et nous venons demain, et après-midi à 3h, après tout le monde de l'église là, dans la réunion d'affaires, tout le monde de l'église là, qui nous baptise, qui nous baptise, nous faire partie assemblée ça, avec nous convoquer dans la réunion ça qui a fait demain, après-midi à 3h. Et nous voulons remercier toutes les deux, tout le monde qui a fait effort pour qu'il soit possible en semaine, en réveil ça. Il y a plus de monde, c'est vrai, soit pour convertir, soit aux membres de l'Assemblée, mais on a fait tout effort pour devenir pendant 6 jours ça. Nous remercions, nous félicitons et nous demandons de nous apporter des fers
et que des remerciements spéciaux nous voulons faire à Soya. Nous voulons remercier la chercheuse de l'infantile qui va nous remplir tout le monde pendant ce jour de ça. Nous avons des abonnés, Santélis Marozine, qui supportent nous. Nous avons Evelyn Philippe Léguin, qui toujours supporte nous. Et nous disons merci. Nous avons un frère. Bella chérie, nous avons fait David et la première musicien nous avons fait un pire effort dans tout ce monde là et nous disons merci en pire, nous avons fait un grand respect, nous remercions pour écouter ça avec les bonnes. Nous avons tout jeune l'Église, tout jeune l'Église, ça c'est pas compliqué, tout jeune l'Église, nous féliciter parce que nous avons l'activité, ça nous a fait. Et nous avons tout le monde qui est siégé pendant tout ce monde. Nous disons merci, prédicateur, puis de sortir bien nous-mêmes, et nous avons fait effort de nous là. Nous disons merci nous-mêmes, et nous remercions. Nous avons Saint-Magré, nous avons Saint-Michel, Malise, nous avons Saint-Léliguito, nous avons Saint-Diaconès, Saint-Sélectérien, nous avons Saint-Chama, Saint-Lico, nous avons Saint-Vitabénis, et enfin, nous avons un frère, Elio, son serviteur infatigable, qui toujours. Ensemble avec nous, lorsque le prédicateur sortit de la vidéo, il est toujours prêt pour faire ça dans le pays. Nous connaissons la situation difficile dans le pays, mais il est libre à manger, il est toujours ensemble avec nous. Merci de remercier tout le monde qui est là, soyez tout le monde qui est dans nos jours. Et nous en remercions. Bon Dieu, la papa est nous, et nous encourageons, continuez à servir bon Dieu. Et nous avons étudié tout le monde chaque jeudi. Vive la étude, et le message qui est pour nous maintenant, ça va nous faire comprendre, mais c'est ce même terme ça que nous traitons ici dans l'étude. Va faire m'encourager, ou même dire quelques barrières, on va faire comprendre des sujets, avec nous encourager, on fait ça, et chaque jeudi à 4h30, nous avons étudié qui c'est la vie, nous avons connu plus de barrières, et ça, c'est extrêmement important, nous avons capable, et nous avons vous pendant le bal, terminé. Et bien, on va bonne nouvelle avant d'aller, après nous avons Rocher Noël, qui est dans le bon et qui est représenté par Sœur Bérélé, et bonne nouvelle à ce que nous qualifions pour la grande finale. Nous avons reçu nous-mêmes la grande finale pour vous, ainsi de vous chier à l'air. Est-ce que vous racontez ça? On va aller avec l'esprit de Dieu pour nous. Et tout ça, et nous avons une finale qui a fait en dimanche 14 décembre et déjà fait toute préparation. Nous voulons débarquer en grand nombre, préparer, nous allons faire tout arrangement pour que dimanche 13, nous sommes capables de débarquer en fou, mais je ne dis ça. Allez, nous ne sommes pas liés. Ça nous visait assez côté éthique là, ici là.